La problématique de la gestion des ordures ménagères se pose avec acuité au Mali et singulièrement à Bamako, la capitale. Des ménages aux dépôts finaux, la chaîne d'évacuation des déchets solides est brisée. Les dépôts de transit sont devenus malheureusement des dépôts de déchets finaux au cœur des cités de la capitale. Odeur nauséabonde, prolifération des maladies de toutes sortes et de tous genres. C'est donc dans ce calvaire que, poussé par la paupérisation galopante, des femmes, des hommes, des jeunes et vieux, voire des enfants, se donne au métier des tri des ordures sans aucune protection, s'exposant ainsi à tous les risques de contamination. Les gens qui sont ici, ils ramassent les ordures, les composts, les fers, les zinc, l'aluminium. Ils ramassent ça et ils vendent ça. Les kilos de fer, ça fait 75 francs. Les zinc, ça fait 600 francs. Les fers, l'aluminium, ça fait 1200 francs. Il faut dire que malgré les efforts consentis par les municipalités et les opérateurs privés, de ramassage d'ordures à travers la ville de Bamako, aucune formation, aucun encadrement n'ait encore été réalisé à l'endroit de ces personnes qui vivent des tri des ordures.